Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue tout le monde, comment nous y est? C'est toujours un grand plaisir pour moi avec nous dans l'émission parlant. Mon éditorial avec Yannick pour me porter information pour vous. Aller chercher fait important qui domine l'actualité, vin expliquer au bon petit mamie tout ça qui a passé dans les couloirs de l'État, surtout dans ça qui a pris comme décision en dedans la primature. Eh bien, mes amis, nous allons porter toute information pour vous déjà, ou mes amis qui font tomber sur channel là, qui font regarder l'émission. Pourquoi abonner? M'a invité au prendre téléphone, abonner, activer la cloche de notification. Et comme ça, on ne peut rater aucun vidéo n'a pas gagné pour nous poster. Puisque là, on a besoin de bonnes informations. Nous là pour nous informer, pour nous voir tout détail sur ce qui a passé. Mes amis, le sabon nous dit le bon. La police nationale d'Haïti reçoit son bec. Gen bien longtemps te kontande y'a parlé de un chat yo rele Timagali. Timagali ça depuis rentré dans quoi des bouquets, bandi Katsama Ozo a gen bagay nan men yo, bandi a tombé, bandi a fait vol pour pays sans chapeau, bandi a blessé mortellement. Ah, Timagali en pat nan blague. Et bien hier dans cadre opération que la police a mené dans Onaville, eh bien Chati Magali a débarqué sous Negyo, débarqué Onaville, eh bien gagné plusieurs bandits qui blessés mortellement. Photo arrivé joindre nous, vidéo arrivé joindre nous, malheureusement nous pas ca poster vidéo, nous pas ca mettre photo, mais m'a regardé on foyer difé que population est en limite toujours boucan difé pour al boucan les garçons mon cher pas caché dit nous bandi yo te gen bagay nan men yo hier dans Onaville. C'est une des raisons mon douleur ça bon nous dit le bon les pour nous critiquer façon déjà la police française LB a mené opération nous dit le tout. Mais bon l'autre bout tout et hier et gen un paquet de formations qui a circulé et sous même page officielle PNH il y a une vidéo qui postait côté que yo dit et la police a mené opération dans fief éviter l'homme et le nous garder dans vidéo malheureusement il me dit malheureusement parce que m'a regardé ces vidéos là il a montré ces vidéos route trop trois a monté ces vidéos policiers qui a terre qu'a fait et circulation il a montré ces vidéos policiers qui a zam il a montré il pas montré éviter l'homme qui stoppait. Yo pas montré bras droit vite l'homme qui stoppé. Yo pas montré bandit que yo arrêté. Donc ça vraiment frustré population. M'a regardé un paquet de commentaires que moun yo fait. Yo dit la police fou la yo a fait LB. Yo dit la police suspend fait fou la, suspend rense afigi moun, suspend dit que n'a mené opération en fier vite l'homme et pourtant bandit vite l'homme toujours a marché sous fiel population. Suspend yo pas capable avec ça encore yo a bout. Et véritablement m'a caché dit nous. Moi-même, tout me senti quelquefois, c'est énervant. Nous disons que nous menons opération dans fief vite l'homme, dans fief bandit, bah, j'aime qu'à stopper. Nous disons que nous entrons dans fief vite l'homme, albre vite l'homme, pita vite l'homme, li monte, dans zone, et peigné, yo là, li aller dans les hauteurs, li aller en bagalette, li aller dîmer, l'altéoriser moun, yantre kamoun, bandit, touye moun, etc. Yo monte, forjat, yo fait même bagay là. Et pourtant, de la police te dans fief. Donc, son situation qui vraiment énerve, leve plume sous do population, lor la police, campé non logique, fait fou là et comme ça. Ça pas fin faire nous bien même donc DG France LB ranger pour nous pas obligé tant ces blancs ces militaires étrangers pour venir là pour venir résoudre problème insécurité la police met pas quand son dans taille policier met pantalon dans taille non pour nous croire bandi pour nous finir avec question gang ça et malheureusement et une jeune demoiselle hier nous apprendre et qui tombé qui perdu la vie. Et yon rele li poupe, wap gade photo li la, et bien bandi grand ravine yo. Pendant madame nan an dan la kaeli et nan zone Foucha, et bien bandi ki besoin, bandi grand ravine yo, nek ti la pli yo ki besoin vin pran kontrol Foucha, ki besoin vin mette moun savon pistache de yo, etc. Et bien on green ball, pendant nan dan la kaeli, oui, on green ball sot kote le soti, pran nan tête. Et puis le mourir sous place. Vidéo, malheureusement, pas qu'à poster vidéo. C'est triste en Haïti. Jean-Noël Bagaylan est là.
et on moun la vie en haïtien c'est 24 heures temps renouvelable en Haïti. C'est ça m'tap di avertir là et ou ça c'est pas ka faire projet même à coup de temps pour nous pas ka faire projet en Haïti. Ou pas konn ki les bandi a privé sou ou pas konn ki les bandi a tout yo a rentrer la carou ba ça yo. Donc ou pas ka faire projet à coup de temps, pas même besoin parler de à moyen terme ou bien à long terme parce que nous pas gen dirigeant dans gang autorité dans gang c'est poisson crasé dans bouillon yo. Et c'est une des raisons Ariel pas choisi résoudre problème insécurité a. Ariel pas choisi résoudre problème gang, problème bandit parce que même bandit ça yo, c'est allié l'état, c'est allié autorité l'état. Donc et nèg yo entend yo pour écraser pays a. Et bien dans optique ça, c'est force multinationale, c'est blanc y a tonne. Nous pral font parler avec Stanley sous question force multinationale dans pays Kenya qui besoin, bon qui décide pour prendre leadership. Force multinationale ça qui décide pour le rentrer en Haïti vin mettre bagay nan men bandi si état ça vrai et gagner conseil sécurité nations unies k ap gagner pour pencher sur dossier ça eh bien nous pour aller font un petit parler avec Sané Lucas déjà m'a invité au partager vidéo hein li extrêmement important gen bagay pays qui pral parler là et dossier assassinat et Martin Moïse n'a gagner pour nous font rentrer là-dedans et n'a gagner tout et pour nous font parler de et convocation Ariel Henry ça extrêmement important parce que nous tendez dans jour qui se passe là heureusement je dis te gon complot te gon dossier la tap marine pour assassiner Martin Moïse Stanley Lucas ba nous détails sur parce que li ka gagne quelques informations que nous même nous pas gagne sur dossier ça nous gagne avec nous Stanley Lucas nous habitué et on monde qui toujours dans kay la avec nous pour nous débattre sur actualité politique yo. Et bien aujourd'hui là nous allons parler avec Stanley Lucas sous question force multinationale. Nous allons regarder qui intérêt et qui motive pays Kenya pour prendre leadership pour prendre tête force et multinationale ça et pour qui ça tout et un pile politicien un pile acteur politique en Haïti estime que et pays Kenya pas ka et assumer responsabilité ça nous pral font bon petit parler là avec Stanley Lucas déjà m'a invité et partager émission Stanley comment est bienvenue oui dans émission moi salut Yannick et bon rétablissement moi content avec vous et nous saluer toute équipe là ensemble avec radio. Alors, auditeur, pardon. Stanley, dans le dernier jour, ça yo et dans l'actualité nationale, tant qu'international, c'est ça qui concerne Haïti, et son question de pays Kenya qui a fait actualité. Toujours viré information sur question de force multinationale et pays Kenya qui a fait actualité. Et moi-même, qu'on est au travail et en Afrique, et nous pas passer par quatre chemins aussi brièvement font-ils parler pour auditeurs là font-ils présenter pour auditeurs au pays Kenya et ou pral expliquer nous selon ou même qui ça qui motive Kenya pour prendre leadership pour prendre tête force multinationale là et merci pour question Yannick premièrement moi besoin auditeur à comprendre clairement moi même Stanley Lucas moi contre intervention militaire étrangère dans le pays d'Haïti. Le pays a subi 4 interventions militaires en 30 ans. Une intervention militaire américaine en 1994 que Aristide demandé sien pour lui. Les Américains ont pris aller en 1995, Aristide fait 17 000 soldats Nations Unies débarquer. L'Elvin a problème en 2004, lui demandé Nations Unies voyez 3000 seulement. Elle finit démissionner. Soldats Nations Unies viennent rentrer. C'est le gouvernement Boniface Alexandre Latortue qui était signé pour le quatrième. Donc, lors des dernières interventions Nations Unies, militaires Nations Unies dans le pays d'Haïti, 2004, arrivé 2017, côté au passé 13 ans, ils ont dépensé 9 milliards de dollars américains. Pas gagné qu'on a montré sous lui. Et des gars qui ont fait coller la yolage qui touye 12 000 mounes, qui déjà qui ont fait tentative coup d'état à faire sous Préval, président Jovenel Moïse te mette au dehors en octobre 2017. Donc je dis, c'est dans le contexte ça où même vous posez question intervention militaire. L'autre question que vous posez, tête tout, on va entrer dans le Kenya,
Depuis 25 mois, yo touye président Jovenel Moïse. L'armée à la police pays, nous avons une capacité écraser gang yo, mais yo besoin de deux hélicoptères de combat. Yo besoin de 15 chars d'assaut. Yo besoin quelques mitraillettes 50 qui pas dépasser 80 millions de dollars américains. Question pour haïtien tout bon. Poser tête dit pour qui ça blanc pendant 25 mois, li refuser bay l'armée noire la police zam pour écraser gang yo. C'est intervention militaire qui a cherché. Donc, premier parti ça, il est important que nous répondons à la question ça. Donc, l'on parle de Kenya, et il ne faut pas oublier que c'est l'ambassadrice américaine, nan, Michel Sisson, que qui est le Kenya, ancien ambassadrice américaine, pour tout le monde qui était là. Le outouillé président Jovenel Moïse, là, et il était quitté le pays le 9 octobre. Il a tellement travaillé bien que il a bali promotion. Et puis, il a fait le sous-secrétaire d'État organisation internationale. C'est lui-même qui est allé au Kenya le 11 juillet. Et puis, 18 jours après, et Kenya a annoncé qu'il a pris cette mission. Et c'est le ministre des Affaires étrangères et diaspora Kenya qui a annoncé ça. Donc, c'est les États-Unis qui ont elle. Les États-Unis ont annoncé que la mission a coûté 400 millions de dollars américains par année. Donc, question pour poser, c'est tout. Un pays déjà qui a un problème de kidnapping, dans le nord Kenya, l'on prend compte de Marsabit et de Turkana, plein kidnapping, l'on prend capitale Kenya, qui est le Nairobi, ou gagne un, et dans Nairobi, des quartiers, qui même genre village de Dieu, ou bien Canaan. Donc, question qu'on doit demander, c'est tout, pour qui ça c'est mon ça, que, et, yo, de Vlevoye Ban. Et puis, bien l'autre problème sérieux pour qui discuter et dans le dossier ça qui est très urgent. Mais je ne veux dire à la fin, nous avons gardé la réalité. Et déjà, pas bon côté gouvernement, nous avons gardé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Victor Généus, lui féliciter et décision ça que le pays Kenya prend et gagne CARICOM qui félicite Kenya. Donc, pour international, là, c'est une très bonne décision que finalement, on paye et qui décide pour être leadership. Il y a des gens qui disent que la décision Kenya, li gen men kache de elle. Li gen pays occident yo qui de elle, soit États-Unis. Non, c'est Canada. Avec États-Unis qui de elle, clairement. Ou même qui soit kadi dans ça. Bon, c'est les États-Unis qui de elle. Kenya, c'est yo voye deux sous-secrétaires d'État l'autre bois par l'autorité Kenya yo qui d'accord. Mais est-ce que ça cap fait là bon pour nous? Absolument non. Dernière fois qui ça arrivé nous. Soldats Nations Unies là qui choléra dans pays là, choléra touyé 12 000 haïtiens. Week-end qui se passe là, nous grande section communale nord-ouest qui est la réserve, choléra touyé 10 moun. Choléra touyé dans plateau central et plusieurs carrières jusqu'à présent. Nations Unies pour côté dommager 12 000 familles qui perdent du monde dans le choléra. Et Nations Unies. Il fait déjà que sous-femme, il fait coup d'état, les hôtels là. Donc, moi-même, ça m'a baissé d'où là, et étant donné que les conseils de sécurité votent en bagage selon l'article 25, là, pas un côté pour nous, pas d'accord, ou bien pour faire appel, il y a des précautions que nous devons prendre fois ça. Première précaution, ça veut dire que les bonnes forces qui vont entrer dans le pays, il y a un accord sous statut force là que l'État pas nous doit signer avec Nations Unies. Il y a des bagages nous doit mettre sous accord sous statut force là. Numéro 1. Et étant donné que dans Kenya, il y a une maladie qui est Ebola, si nous avons la Ebola avec fièvre jaune qui a une épidémie là, de deux maladies, il y a une troisième maladie qui est le marbou, si nous avons la guerre dans le pays, nous faut dans quoi nous mettre clairement que fois ça. Les États-Unis avec le Canada a payé pour nettoyer. Deuxième bagage que nous devons mettre dans quoi faire ça, si nous d'accord pour venir, c'est que chaque monde qui a un certificat de décès, qui dit c'est Ebola, qui tue ou bien fièvre jaune ou bien maladie qui mène dans le pays, les États-Unis à Canada payent chaque famille ça a 5 millions de dollars américains. Dernière fois, soldats des Nations Unies ont fait et qu'a déjà crime sexuel sous timon garçon et sous femme n'a mettez dans quoi fois ça
Si un soldat qui font crime sexuel dans le pays, il n'y a pas sauvé. C'est la justice pays pas nous qui doit juger eux, il y a pris en prison la caille nous. Et chaque victime de crime sexuel soldat, ça a eu, les États-Unis ont mis ensemble à Canada pour payer 4 millions de dollars américains. En même temps, tout, il faut mettre des provisions là. Il n'y a pas qu'à rentrer pour venir faire coup d'État. Il n'y a pas qu'à rentrer pour venir voler. Et ça nous gagne en bataille, il n'y a pas qu'à contribuer à bagaille ça. Donc, je vous dis, il y a un ensemble de dispositions que nous prenons. Et pour protéger le pays, nous, pour que malheur dernière fois, il n'y pas arrivé. Mais Stanley, qui est-ce estimé là, qui pral mettre bagaille ça dans le protocole là? Qui est-ce? Et bon, c'est ça, problème, non, ça qui est-ce qui pral décider ça? Yo? Donc, c'est ça, c'est le problème que nous avons toujours discuté. Mm-hmm. Et côté nous, t'es d'accord que le premier ministre qui est impliqué dans tout le président et qui est dans la gang, représente une menace pour le pays et pour nous tous, en tant que citoyens et citoyennes. Donc, je vous dis, il y a un plus bonheur que nous avons un premier ministre qui a défendu l'intérêt, nous, la plus bonne pour le pays. Et c'est ça le danger, c'est que le premier ministre a tellement fait parce qu'il est impliqué dans tous les présidents, l'impliqué dans la gang, c'est blanc, Cap Kembel jusqu'à présent. Monsieur qui doit signer, et n'importe qui bagaille que blanc, Bali, qui pas représenter l'intérêt, nous, demain matin, si il y a Ebola dans le pays, si il y a fièvre jaune, maladie, ça, il faut rejoindre Kenya. Il faut pas oublier dernière fois les soldats des Nations Unies n'est pas lieu pour te coller à nous. Donc je veux dire, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre tête ensemble pour nous défendre l'intérêt. Si nous ne pouvons pas faire ça, nous allons mourir tant qu'on mouche parce que maladie Ebola, elle va être 10 000 fois plus dangereux que choléra ni fièvre jaune. Si nous quittons deux maladies, ça rentre dans le pays, puis t'as vite risqué. Parce que je me songe ça Ebola. Ça Ebola t'a fait non pas qu'être pays en Afrique. Jusqu'à ce que décide yo ap contenu et maladie etc. Bon jounen jodi a la Stanley et m tap tande et récemment et ancien colonel Emile Rebu qui t'a dit que si soldat si militaire Kenya yo met tout marche à fait que yo derrière yo parce que et en pile nan yo et après été en Haïti en pile so this la, one is 4 and 5 the other line and the other one. Let me show you the other one. Stanley, là avec moi? Yeah, excusez-moi, je vais vous dire. Ok, ou t'es dans le commencement, ou t'es dans le commencement, ou t'es dans le approche. Ou quand vous prenez moins de temps, vous connaissez. Yeah. Et mm-hmm. Oui, j'ai mis les rébutables de là, si soldats ou bien policiers kenyans ou bien en Haïti, ça l'ouè pour yo, mais tout préparé, c'est que pour yo retourner dans le pays, parce que bah, elle a pris la place. Ou même comment estimer bah elle a pas lié toutefois et côté sécurité environnement politique journée et pays Kenya environnement politique là jodi a différent en 1994 dans environnement politique journée jodi a et il très anti étranger parce que haïtien ou que blanc yo impliqué dans tout le président, étranger, impliqué dans tout le président, avait dit que les Américains qui impliqué dans tout le président, les Colombiens qui impliqué dans tout le président, les Dominicains qui impliqué dans tout le président, et puis la Kainou, oligarque et politicien qui impliqué dans tout le président. Ça clé pour tout le monde. Donc, haïtien, lui-même lui pas pardonné le fait que tout le monde ça yo impliqué dans tout le président. Et surtout dans semaine ça avec développement qui gagne Saint-Domingue côté peuple nous avec peuple dominicain pas peuple qui gagne problème. Au contraire, peuple nous veut bien vivre avec peuple dominicain veut bien vivre avec nous. Problème là c'est que président dominicain et monsieur c'est plus gros l'ennemi que pays d'Haïti gagne et au niveau international. Les nous garder à quoi qui signe semaine ça entre Belize et la République dominicaine pour monter une raffinerie en République dominicaine ou demande ou tout si c'est intérêt économique ça yo qui fait que justement yo assassiné président parce que président et ça t'a mettre en place yo en matière de la défense des intérêts nationaux te représente une menace. Et justement, pour les intérêts économiques, conseil de blanc, globaliste corrompu, et intérêts économiques oligarques.
façon bail pour analyser. Jusqu'à présent, dans toute analyse que nous faisons pendant 25 mois, nous avons un motif assassinat président et motif crime, et c'est économique que lié par rapport à intérêt interne, côté oligarchie, tapis l'État, dans le gaz, dans l'achat et vente produits pétroliers, dans la surfacturation route, dans le courant et la trier, mais en même temps, tout gain intérêt élite globaliste corrompu, et par rapport à ça, vous voler en bataille. Vous voulez voler en bataille dans le pays, nous, et qui menace. Donc, et dans la question qu'on pose à tout, et est-ce que troupes Kenya qui vous voulez voler, refus, et pour renforcer la capacité de la police à l'armée, nous, est-ce que ça fait partie de plan pour venir piller ça en bataille? En bataille, nous gagnons bauxite, nous gagnons cuivre, nous gagnons l'eau, nous gagnons gaz naturel, nous gagnons iridium et nous gagnons terre. Donc, je vous dis, il faut analyser la partie ça. Donc, et bien entendu, à part vous-même, et Foucault, et Busta, et Beto, qui a fait analyser ça, et Goliga qui implique notre président, une série de contrats qui ont fait, bon petit contrat qui ont fait avec une série de journalistes qui gagnent 2, 3, 4 gros émissions dans le pays, côté dossier ça, on ne doit pas discuter du tout. Donc je veux dire, il est important que nous-mêmes, tout contexte global, ça, nous mettons là-dedans pour nous comprendre ce qui a passé. Mais, quand y a une question que nous avons posée par rapport avec non seulement et Jean-Riel a mené le pays, Jean la justicier et il est dans le pays. L'Europe garde des séries de oligarques qui ont cité dans l'assassinat président, la justice par Jean-Rivé sous yo. Et Ariel, on dirait bien que li plus quoi dans l'intervention pays Kenya en Haïti, dans l'intervention militaire qui a protégé, le plus rassuré, que li rete quoi que. Et dans l'intérêt que PNH a, dans l'intérêt que le gagne pour mettre sécurité dans le pays avec PNH ou bien avec l'armée d'Haïti. Je dis, c'est une question que le monde a posé tête. Et si toutefois, le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé pour le pays Kenya et a approuvé pour le pays Kenya de rentrer en Haïti et dans la tête force multinationale, qui ça Haïtien qui attend et comme entre guillemets un bénéfice de pays Kenya ou bien un bénéfice de force multinationale là ou bien tout qui ça yo ka attend et de négatif et de intervention ça si toutefois conseil de sécurité a l'état approuvé et force multinationale là oligarque avec blanc qui touye président calcul qui ont fait c'est que en fonction de propagande que vous avez fait pour ça le caractère président, madame ni, en voyant tout le président, vous pensez que coup d'état sanglant qui tout le président le 7 juillet après un coup d'état parfait. Ça veut dire que la propagande a été tellement bien faite pour assassiner le caractère président, vous pensez que les fin tout le président le 7 juillet, eh bien, vous pensez que tout le bagage est en forme. Depuis vous fin pour un saisissement 7 juillet, eh bien, qui s'accrivait, les fin pour un saisissement. Dans cette juillet, côté peuple à la rue, ces peuples là même, calmari, soldats, à colombiens, depuis les ça, n'est plus aucun problème. Ça veut dire, blanc qui touille président, oligarque avec politicien prend pouvoir, touille président, les Ariel Henry, les André Michel et Latrier. Pendant yo fin touille président, premier bagage que peuple a observé et ou éclair là-dedans, premier côté qui a pris contrôle pour bien contrôle pouvoir exécuter. C'est dans le pouvoir judiciaire. Qui ça a fait? Tout juge que le président du pouvoir judiciaire, René Sylvestre, a refusé et nommé parce qu'il était dans la corruption, il était dans le coup d'État, il n'y a pas de background académique, il y a un cabinet d'avocat. Mais tout juge, ça, c'est eux-mêmes que Ariel Henry a nommé dans le coup de cassation. Et comme juge d'instruction et dans le tribunal première instance. Donc je vous dis, le plus gros problème nous gagne, c'est que moun yo nomé yo, yo pa moun yo nomé yo, et yo fin bay assassin yo contrôle pouvoir judiciaire. Donc je vous dis, il est important que nous connaissons que
moun ki tue président, yo gen kontrôle pouvoir judiciaire et yo gen contrôle pouvoir exécutif lan. C'est pour ça pa gen la justice pendant n'a parlé jounen jodi a. Donc pendant 25 mois, gomba e ki clair c'est que masse peuple là, ka noue les populations, li vin représenter pi gros menace pou nèg yo. Donc c'est pour ça nèg yo. Yo pa konnen, ça veut dire que avec expérience bois calé qui passé dans mois de juin, nèg yo pa konn ki joue et qui les peuple a pral lever campé. Donc expérience bois calé a qui fait ou peur, c'est ça qu'il faut ouais, immédiatement après deux mois bois calé a nèg yo accélérer demande d'intervention, y a le fait chaud dans Jamaïque, y a le font paquet de bagaille dans CARICOM. Et puis pour accélérer intervention militaire parce que objectif de mon intervention militaire c'est venir protéger ou par rapport à peuple là qui va venir avec deuxième fois vague bois calé parce que l'autre des mounyo dans l'arrière qui ça doudou yo dou consacrer et dans deuxième vague bois calé dans deuxième vague bois calé et c'est oligarque avec moun qui sous pouvoir donc nèg yo besoin soldat yo rentrer vite pour bois calé pas gain temps pour protéger yo. Donc, maintenant, qui ça donne face? Qui ça, en dépit du fait que vous en dépit du fait que vous souhaitez évoquer Ebola, fièvre jaune, etc., que et Kenya, que bien la caille, vous capotez, bah, nous, vous avez contaminé nous. Est-ce que vous pensez tout ce que et comme avec COVID, là, et j'en ai gouté, j'en avec COVID, là, et des milliers d'Haïtiens qui prennent mourir, etc., yon, et finalement, et nous la pire, nous la pire jam, avec et contamination ça qui te gagne au Kenya, est-ce que choix Kenya, c'est pas un choix qui calculé pour débattre Haïti là, venir contaminer Haïti et puis après ça, aller la caillou au Kenya? M'attendez bien, on va dire coupé. Et oui, Stanley, moi t'as dit que soit Kenya, soit pays Kenya pour prendre leadership force multinationale là, est-ce que c'est pas un choix qui calme? Parce que l'Europe garde et diverses contaminations que te gè la caillou, Ebola, fièvre jaune, etc., qui vraiment fragile. Et surtout, pour un pays tant qu'à Haïti, côté que le niveau et sanitaire, il y a des plates, pas de question, et l'État pas investi dans la santé, etc., avec COVID. Yo te prévois qu'il y a un paquet d'Haïtien qui va mourir, nous la pirène pour nous y aller. Soit Kenya pour débattre avec Haïti là, nous ne pouvons pas faire ça, nous va le porter pour nous. Donc, est-ce que soit Kenya, d'un point de vue, comment on dit ça, et par rapport avec, pour yota vini là, tout y a ici, est-ce que ce n'est pas un choix qui calcule? Bon, bien entendu, les choix que vous faites, c'est des choix racistes que vous avez. Et les choix que vous faites, c'est des choix racistes que vous avez. Mais les soldats qui sont allés aux États-Unis, vous êtes allés. Même les choix que vous faites, c'est des choix racistes. C'est blanc qui a joué chez lui. Même à l'époque de la colonie, conseil de noir, blanc, tu fais commandeur pour maspiner mon noir, pour blanc. Donc, choix sont choix racistes que vous avez. Numéro 1. Numéro 2, pour montrer au choix raciste, yo pral payer policier Kenya, un américain et 4 fois, 5 fois la valeur, qui va créer conflit avec la police. Et tant qu'on dit, pour la première fois depuis 1930, une raison qui fait que les Américains ont quitté le pays, c'est que nous avons commencé à touiller soldats américains, parce que nous avons dit qu'il faut que nous reprenions la liberté, nous avons gagné 40 à peu près nous touiller, qui fait décider d'aller. Donc, voilà, ça a grand pile qui va tomber sous terrain. Parce que gon environnement anti-occupation dans le pays. Peuple a ouais en clairement 25 mois. Et au lieu blanc ban nous am que la police noire l'armée nous besoin, non seulement pas bay blab di Ariel pas mettre l'armée dans gomme contre gagnio parce que blanc connaît l'armée ka raser gagnio. Donc je veux dire ali clair que dans tête peuple haïtien dans le collectif populaire ça nèg yo besoin mettre comme occupation pour venir voler ça combattre le pays nous. Pas gen yon nan nou ki aksepte li a pa de trois oligak et reste avec ki ou gen ki a dirije l'état pou aujourd'hui a. Stanley, et en termes de salaire, m'ap gade estime et pou yon année et pour dépenses force multinationale lan yon évalué entre 200 à 400 millions de dollars américains. Kote la je sa ap sorti?
Allô? Bah non, dis non. Bah tant de sortir. Micro a été coupé cette année. Micro a été coupé. Et moi je que en termes d'effectifs, en ça qui est pour avec question et l'argent et salaire etc. Je estime coût. Bon exemple, Yannick. Bon exemple. Non, mais avant de poser une question, je voulais mentionner un bagage qui est important. Okay. Qui est très important. Pour améliorer la capacité de la police et l'armée, nous, et joindre tout ça au besoin, pour craser les gangs, nous avons besoin de 100 millions de dollars américains. Pour y avoir un mené à coûter 400 millions de dollars américains par année, qui côté vous allez tirer comme ça sous nous, 5 fois la vallée. Les blancs vont s'allier, depuis le mettre 400 millions de dollars américains, vous allez tirer 10 fois la vallée. Qui ça va le voler en bataille pour tirer comme ça? Et première question pour nous poser tête, non? Ou bien anticiper sur question? Non, moi, même question que je vais poser. Je vais faire ça, non, même. Je vais lui dire l'idée. C'est qui côté vous allez jouer dans l'argent? Bon, je vais dire que. Et Rwanda, qui a financé un gang au Congo qui est le M23, qui a mis l'instabilité, et puis pendant l'instabilité, il a volé tout ça qui a battu dans le pays Congo. Est-ce que ce modèle ça va l'appliquer avec nous? Et pour ça, nous avons besoin d'une série de monde et qui réfléchit, qui pourrait être clair pour nous. Et quand on fait approche ça, et yon pays tant que pays Kenya et Stanley, yon présente li. Et comme un pays qui fort militairement parce que il y a combat divers groupes terroristes et la combat M23 vraiment et la combat et un autre groupe qui relé Al-Shabaab comme ça c'est pas trop bon. Et journée aujourd'hui là, est-ce que en matière et technique, est-ce que pays Kenya nous estime que il pas gars assez technique, assez capacité pour ta combat Y a ni Kenya pas bon que policier nous yo. Kenya pas bon. Nous avons ça que y a un problème gang la kay, il garder compte qui élément ça habite ou bien tout kana. Y a autant de kidnapping que nous même. Il y a des zones dans Nairobi, la police pas ka rentrer même gens la police pas ka rentrer dans le village de Dieu Kana. L'autre bagaille là tout faut nous mettre tout dans négociation que n'a fait yo. Gende la police et l'armée et l'autre pays pas ka rentrer dans pays nous. Par exemple Népal qui était là qui choléra dernière fois, il va ka tourner. Et Sri Lanka avec Yuri qui te fait caler Jacques sous garçon sous femme sous tout monde yo pa ka tourner et gagne police avec l'armée Jamaïque police avec l'armée et Bahamas qui habitué écraser zo migrants nou yo habitué bâti monde femme garçon pays d'Haïti Bahamas pa ka vini l'armée dominicaine police dominicaine qui fait génocide sous nous en 1937 côté yo touye près de 30 000 haïtiens dans génocide ça yo pa ka vini. Historiquement, dans les négociations, il y a de l'armée à la police qui va pas mettre pied la caille. Historiquement, République Dominicaine, pas quoi t'as jamais rentré non bah ça. Et Abinader a toujours bah coup bah après n'a cherché humilier Haïti sous plan international. Mais historiquement, pas moi haïtien qui t'a pas accepté et gon force qui a déployé en Haïti et puis soldats dominicains vin là. Ça historiquement et nous pas t'apprendre. Mais ou parlez de Bahamas gèta au fil la voye mkwè 150 soldats en Haïti ou dit que yo pa ka vini? Absolument non, c'est une catastrophe pour nous-mêmes. On l'armée, on la police qui fait génocide sous nous qui touye 30 000 moun nou dans l'histoire nous. Yo pa di wè jam pile te pays nous. Non, on ça fait ça et on a plus gros crime historique qu'on a fait contre pays. Et mission ça en plus soit défendre l'intérêt national, pas aucune collaboration qu'elle doit gagner avec l'autorité dominicaine. Parce que je dis à lui clair que le président dominicain qui l'a, c'est plus gros l'ennemi que nous gagnons au niveau international. Maintenant, on a parlé de Bahamas qui est rangé comme l'a dit la voie près de 150 soldats, si je ne me trompe pas. Donc, on dit que même tout va arriver. Et ce n'est pas danger ça seulement qui gagne. C'est que Bahamas a une préférence politique dans le pays à côté de faire coup d'État
en faveur d'un leader politique. Et Trinidad et Tobago, li gen préférence politique li tout, côté le va laisser faire coup d'État en faveur d'un leader politique. Je ne j'en dis à Aristide, besoin faire coup d'État pal. Li pense que gen dans l'armée ça ou pas l'aider le faire coup d'État. Donc, même si bagay y a l'avance pour que la guerre petit patrouille kokoube. Donc, si nous bien comprenons la Stanley, je vois plagier bah yo là. C'est que chaque pays qui décide qui porte tête sur la force multinationale, ça, y a un intérêt un petit groupe moun pa yo en Haïti déjà là qui bien positionné, y a vinn gérer. C'est pour ça yo dou, yon nan premier bagay lèm te kon fè kou pou étudiant en première année et en préparatoire nan Inagé, yon nan premier bagay m toujours di yo, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Donc pays sa yo k'ap vini, yo gen propre agenda politique et économique pa yo en fonction de soldats que yo voye yo. Eh bien là, nous met les pires. Nous met les pires. C'est une bonne situation dans le moment là, nous avons produit sur le continent africain. Un paquet de pays africains là qui décident, il faut que vous poussiez nos pays occidentaux de vous, il faut que vous mettez la France de vous, nous avons coup d'État, Burkina Faso, Mali, etc. Et il y a un peu de monde qui a posé cette question, est-ce que ce n'est pas un bon moment? Ou a faut tirer parce que le map gade paramètres par rapport avec modèle dirigeant ou gen yon mouè nou dans le flou. Yon moun ka pose cette question pour yon dire est-ce que c'est pas ta bon moment et pour haïtien ta assumer responsabilité yon et pour ta mette dirigeant sa nou gen la yon de yon et puis pour nous chercher et l'autre coopération, l'autre pays, aller vers l'Afrique, aller vers la Russie, etc. Qui sont abdinans la ou même? Bon, nous besoin de débat national et sur quelle politique étrangère pour notre pays dans le 21e siècle. Faut pas oublier que doctrine diplomatique nous chita sous trois grands principes que Dessalines, Toussaint Louverture, Cabral Amor qui était pour nous. Et pendant 30 ans qui sont passés là, c'est rare pour un leader politique à peut-être Jovenel Moïse et qui te comprendre importance doctrine ça. Premier principe là, c'est la défense de la liberté de la dignité humaine à travers le monde. C'est ça qui fait que nous allons dans ces pays Amérique latine, les États-Unis et la trier pour l'indépendance. Et deuxième grand principe, c'est la défense de nos intérêts nationaux. Et troisième grand principe, c'est le jeu de des alliances. Nous n'avons ni l'ennemi, ni les amis permanents. Tout ça, l'ouverture de joindre et un petit progrès dans la libération des esclaves dans le camp français. Il était là. Les Espagnols lui offrent plus, ils traversent dans le camp espagnol là. Bon côté, Espagnol là, campé, français a offert plus. Pendant qu'il n'a pas l'anglais, il retourne dans le camp français. Nous avons besoin de gros joueurs politiques dans le pays qui nous baguen. Question et troisième principe et qui fait qui apparente dans ça qui est pour avec nos parents amis permanents et li pas un mythe parce que m'a regardé relation nous gagne nous tellement gagne relation avec États-Unis là et nous ça c'est sous tutelle pour pas dire occupation ça c'est sous tutelle pas date tu as interféré dans vie politique en Haïti dans décision politique ne pas jamais et couper fâché avec eux qui ça empêcher ça. Bon, et l'organe des leaders politiques anarcho-populistes et des oligarques qui marient ensemble, et c'est ça le bas où ce organe là, c'est anarcho-populiste avec oligarques qui prennent nos quatre dernières interventions militaires. Comment on voulait un président constitutionnel PIA, mettre un embargo économique total sous PIA, à risque de craser l'économie. Même président ça a élixien pour débarquement 22 000 soldats américains en 1994. Les Américains ont pris en 1995, ils fait 17 000 soldats Nations Unies débarqués. Au lieu de renforcer l'armée, même si j'ai fait ça après dictature au Chili, yo modernisé l'armée pour servir le pays, j'ai écrasé l'armée pour créer le premier gang. L'elle vient de problème aux oligarques, vient de prendre contrôle gang. C'est pas ça, mettez-nous là à côté de nous aujourd'hui. Mais Stanley, qui ça qui empêche que, comme si l'un nous gagne des autorités dans notre état, des dirigeants, qui ça qui empêche que gagner matériel vraiment malgré que États-Unis dit pas qu'on est la médaille d'Haïti tout ça le dit la baisse c'est pour PNH mettre à l'école la médaille d'Haïti qui ça qui empêche que après le président Jovenel Moïse qui t'ait prendre décision reconstituer l'armée etc. qui ça qui empêche que l'armée vraiment opérationnelle tout bon virer tout dans des gain 50 pas le stand des 150 80 70 90 c'est soldats qui formation, mais l'armée n'est pas vraiment opérationnelle. Qui ça empêche ça? Ça, c'est Mounio qui a parlé. L'armée opérationnelle, je ne parle pas avec vous là. Okay.
Jounen jodi a, nou ka met yon unité spéciale de 3500 hommes qui gen 2500 policiers avec 1000 soldats. Unité spéciale 3500 hommes ça a bali toutes armes que le besoin, information que le besoin pendant 30 jours, mettez en tête li Hans Muscadin, ou ap krasé tout gang yo en moins de 4 mois. Blanc dit Ariel li pa ka mette la mea nan goumen contre gang. Et là, Ariel d'accord comme nek qui impliqué dans tout le président et dans gang. La police là pour contre li pap jam ka krasé gang yo. Mwen t'explique ça dernière fois, mwen dou konsake, pour nous krasé gang yo, numéro 1, faut qu'on premier ministre en gouvernement pa nan gang qui pa nan tout le président. Numéro 2, faut qu'on stratégie intégrer l'État pour krasé gang yo. Stratégie intégrer l'État, vle di plusieurs ministères, plusieurs institutions, l'État nan gouvernement contre gang. Ministère et Conseil supérieur de la police nationale doit nan gouvernement contre gang. Ministère de la justice avec toute direction centralisée, ministère de la justice doit gouvernement nan gouvernement contre gang. 18 juridictions côté gen commissaire gouvernement qui dépendent de ministère de la justice, yo doit nan gouvernement contre gang. Et toujours dans ministère de la justice, commandement la police avec toute unité spécialisée la police doit nan gouvernement contre gang. Ministère de l'Intérieur avec direction de l'immigration doit gouverner contre gang qui dépendent de lui-même. Ministère de l'Intérieur avec service d'intelligence qui dépendent de lui doit gouverner contre gang. Ministère de l'Intérieur avec toute collectivité territoriale, ça veut dire délégué, vice-délégué, magistrat, kazek doit gouverner contre gang. Ministère de la Défense avec toute direction centrale ministère de la Défense et puis l'armée, toute unité spéciale l'armée doit gouverner contre gang. En 25 mois, Ariel fait esprit, il va mettre stratégie intégrée ça. L'offre de stratégie intégrée ou monter unité spéciale là, sous bord détail sous lui. Après ça, ou l'offre à l'opérationnel, ou fait la croix ou jouer représentant bas. C'est pour l'offre commencer tout les gang yo, pour militants d'oiseaux humains qui n'ont gang yo, pas dit c'est massacre quoi fait. Ou les observateurs de croix ou international qui dit que opération qui fait yo respecter normes yo. Donc je veux dire, bah, je vais être mon Abdou là. Donc l'offre bon gouvernement qui gagne oligarque. À politiciens qui n'en gang là-dedans. C'est pour ça pendant 25 mois, malgré les gens qui ont kidnappé les gens, malgré son peuple a coulé pendant 25 mois, où est gang yo à l'aise? Gardez les peuples qui font mariage et dans zone 16 mai avec la police pour y aller entrer dans le village de Dieu en mode de bois calé pour démobiliser l'opération peuple à la police contre gang. Nan. Ariel monte au cap avec 900 policiers, il démobilise la police dans le gourmet contre gang. Nan. Mais le parle de l'armée qui est opérationnelle dans le moment là, ou parle ok, nous prenons 3500 et soldats, etc. Nous mettez. Mais est-ce que dans le moment là, si tu as une volonté pour faire ça, il y a assez d'équipement, il y a assez de matériel pour 3500 soldats? Absolument. 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 Donc c'est vrai, on va voir. Moi-même, je suis un pays qui est dur. Ça veut dire que je fais Salvador, je fais Afghanistan, je fais Nigeria, pays qui dit tout bon. Si ça nous gagne là, comme. Gang dans Port-au-Prince là et c'est détail qu'oyé ou gen capacité pour craser mais c'est le bagaille on menti que ou pa ka bay peuple là moi conseil de discussion k'ap faire toute la journée des til appli d'éviter l'homme de ISO 5 secondes de ceci de cela des barbecue sou pa manger gros macaque ou pa ka manger petit macaque tout à fait est-ce que pour craser gang yo dans pays il faut commencer avec gang à cravate. Aïti Réginal Boulos, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Edouard Boussan, gros macaque yo fok manyen yo, Matéli, Aristide, Privé, fok manyen yo. Fok démantelé yo. Pas tap gen ti macaque, si pas gen gros macaque. D'accord. Mwen jodi a wè ti parole sa mbala avec ou la, en 30 secondes, a fait gros macaque mwen doulan, oligarque ki nan gang, leader politique ki nan gang, ancien parlementaire ki nan gang, gen de radio pa ka parler ça, parce que oligarque ba au contrat. Yo va ka discuter de bagay sa yo. Ou kon sa ki pi terrible Stanley, c'est que en Haïti tout moun kon ki yes ki nan gang. Politisyen konnen nèg ki nan secteur privé ki nan gang. Nèg ki nan secteur privé a menacé tout le président, comme ancien parlementaire, tout moun konnen Boplan nan gang. Boplan ki tap fè gang lage l'huile nan l'aria pou fè accident pendant pays lòk. Kato nan gang, Nenel Kassi nan gang, André Michel nan gang. Vitelle Innocent fè interview pou montre a ki es la pmache. Barbecue fè interview, tout nèg yo gang yo fè interview ki di, men koneksyon politike et oligarque ke yo gen. Et oligarque yo rele nèg sa wa ajan kominote yo. Stanley an avanse. Ah mon cher, boulò se konsa le kon rele yo. Ajan kominote. Gen depuis pour ça marché sous monde nous va manger pour l'on s'impliquer dans tout le président gain mandat pour lui depuis 9 juillet parce que oligarque qui tout le président avec nek qui tout le président avec Ariel sous pouvoir
malgré mandat ou fait depuis 9 juillet 2021, ou est la justice jamais les boulots alors qu'il y a un mandat pour lui depuis 9 juillet, elle va présenter. Il y a un mandat, sorti flamme, entre flou, bon, ben, c'est victime, la justice attaquer. Mon cher, nous va égarer, attendez. Stanley, gagnons une note là qui mettait dehors, on appelle à l'unité. Et côté que forum ancien premier ministre mette dehors, gen sept premier ministre qui signe là dans Belle-Rive, La Motte et Louis Paul, qui est encore Edek Jean Charles, qui est encore Joseph Jout signe là dans Libre, c'est La Motte déjà. Bon, au total, sept anciens premier ministre qui mettent notre dehors, côté que, et non, non, ça. Yo, reprenne tout ça qui a passé en dedans pays, yo fait une table ronde de situation pays. Et quelque part, nous sommes yo a désolidariser, yo un petit parti en table à chercher désolidariser avec et Ariel Henry. Et bon, pas qu'on est soutenir notre là, soutenir Welly tout. Bon, beaucoup ouais notre là. Et bon, bien entendu, Belle-Rive qui vend nous bay dominicain, joute qui compte dit qu'on pas là, dit là pli à tout. Donc, bye vous ça va. Beaucoup ouais notre là, on va pas commenter sous l'île à garder. Mais pas de problème, ma foi elle pour après. Et dernière question pour nous finir, Stanley. Et gagne un juge. Invitation à Ariel là. Exactement, bien parlé. Juge justition et invité. Bon, disons entre guillemets, font convocation avec trois hauts fonctionnaires de l'État, Henri, Ricard, Pierre, ministre planification. Avec le ministre économie financière, Patrick Michel Boisvert, et pour yo comparaître dans le cabinet d'instruction pour le temps de témoin dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a des gens qui disent c'est mascarade, il y a des gens qui disent c'est diversion, et il y a un avocat qui dit que ça n'a pas besoin de faire des petites procédures et qui peut respecter si Ariel Kadouyal devant le juge d'instruction, ou même qui soit dit dans toute bagaille. Bon, juge là encore une fois a montré qu'il n'a coquin. Et m'a expliquer pour qui ça juge qui c'est ça n'a coquin. Et m'a expliquer pour qui ça juge qui c'est à son coquin qu'il y a. Et pour ça m'doubaille, depuis plusieurs mois, nous juge là n'a coquin. Depuis l'Eltalbaï journaliste en France là, information sur enquête qui doit secret d'après code d'instruction criminelle là. Il va doué ba information, t'as ba information à un journaliste en France là pour orienter politiquement enquête là. Depuis l'Eltalbaï nous juge unité à M. son juge coquin qu'il y a. Mais invitation à Ariel Laoué n'a aucun qu'elle y est, bon m'expliquer auditeur à qui ça. Auditeur, et non, et on enquête criminelle, et loi pour enquête criminelle ou bien un procès pénal, il y a quatre éléments là-dedans. Il y a auteur criminel, il y a co-auteur criminel, il y a complice dans le criminel et il y a témoin. Témoins sont les gens qui ont ça passé pendant le criminel fait. Mais il y a deux qualités de témoin. Il y a un témoin oculaire et puis il y a un témoin auriculaire. Donc je vais le dire, les juges l'envoient une invitation à Ariel comme témoin. Et les ça ouais juge là n'en coquin. Pour ça aussi que juge là n'en coquin, juge réquisé. Il y a 10 raisons qui font que juge n'a pas invité Ariel comme témoin. Il a invité comme auteur, co-auteur ou bien complice. Il va pas inviter comme témoin. Mais 10 raisons qui fait que il va pas inviter comme témoin. Première, rapport de CPJ. Deuxième, non, rapport RNDDH là. Troisième, non, rapport Digicel qui montrait comment il a coordonné avec Félix Badiou Joseph dans tout le président 7 juillet. Quatrième, non, plainte parti Vive Haïti était déposée dans le parquet. Cinquième, non, convocation Ariel Henry par commissaire Bedford Close. Sixième, nan, interdiction de départ qui te mette contre Ariel Henry par commissaire Bedford Claude. Septième, nan, déclaration Rodolphe Jaffé devant la justice américaine et devant la presse américaine. Depuis 10 janvier 2022, Rodolphe Jaffé, qui reconnaît qu'il participe dans tout le président, dit Ariel Henry impliqué dans tout le président. Huitième raison, audio juge d'instruction Gary Aurélien. Côté juge d'instruction Gary Aurélien, dit des bagages. Il dit rejoint Ariel. Ariel Henry impliqué juste en coup dans tout le président, mais il n'y a pas qu'à arrêter lui parce qu'il paie pour la vie et la vie de famille. Et deuxième raison, parce que il y a des journalistes avec des militants de droits humains qui ont protégé Ariel parce qu'Ariel a payé. Et puis,
Dixième raison, et alors neuvième raison, et la famille Moïse pote plainte pour Ariel Henry comme monde qui impliqué dans tout le président. Dixième raison, toute obstruction. Ariel fait 14 obstructions à la justice pendant 25 mois pour la justice pas arriver sous lui. Il mettait 6 à tout fait dans CSPJ. Il mettait 10 malandrins dans le coup de cassation. Il mettait un malandrin dans le tribunal première instance. Et juge d'instruction que le président pouvoir judiciaire, René Sylvestre, refusé de renouveler le mandat pour mauvaises affaires. Les nommés tout et tout dossier sensible, c'est le juge a tout fait ça qui aurait mis. Donc je l'ai dit, et juge là n'en coquin. Et même si on dit pour ta continuer procédure, nous connaissons comment le président Jovenel Moïse était là. Il a fait un conseil des ministres. C'est le conseil des ministres qui te mettait directeur général et ministère de l'Intérieur à la disposition de la justice. Tu avais dit bon précédent. Donc je l'ai dit, si tu as fait, conseil des ministres, tu as organisé un conseil des ministres pour mettre Ariel à la disposition de la justice. Koulia, depuis au fin voté pour mettre Ariel à la disposition de la justice, si pas premier ministre encore son simple citoyen, il doit être un ministre dans le cabinet ministériel là qui doit être premier ministre AI, jusqu'à ce qu'il reçoive lui-même une ordonnance de non-lieu. Tout autant va recevoir une ordonnance de non-lieu, son simple citoyen qui est. Ouais, je ne veux dire qu'il y a des avocats qui touchent dans Ariel, qui a fait une pas de moyen devant. Bon précédent, bon conseil des ministres, côté gros fonctionnaire l'État, sous président Jovenel Moïse, je te mettrai à la disposition de la justice. Stanley. Le précédent existe. Donc, n'est-ce qu'il y a un nous pour égarer, même. Stanley, est-ce que le conseil des ministres qui a fait ça? Bon, dernier bagage sur ça, et Yannick. Nèg yo te font un scénario là côté ou t'apral blanchi a dit que nèg yo t'apral et retiré Ariel et tout oligarque qui participait dans tout le président yo t'apral faire juge la blanchi nèg yo et quoi mal passé nèg yo pas penser que gen moun k'ap réfléchi t'apral analyser pour yo. Oui, mais dans situation ça Stanley, est-ce que on conseil des ministres qui ka et qui ka présider sans que Ariel parle lui-même, est-ce que absolument ministre... Absolument. C'est-à-dire que vous convoquez le Conseil des ministres, conformément à l'article 149 Constitution. L'article 149 Constitution dit qu'on s'acquait, l'offre tout un président, seul Jean pour mettre un président provisoire, il faut qu'il y ait un Parlement. Si le Parlement pas existe, pas qu'à mettre un président provisoire, son premier ministre avec cabinet ministériel là, qui assume le pouvoir exécutif là. Donc, vous convoquez le Conseil des ministres. Vous avez le secrétaire général du Conseil des ministres, les correspondances jusqu'aucun requisitaire. Ou y'a le ou fin lit correspondance juge qu'aucun requisé a et conseil des ministres, mandé premier ministre, combien conflit d'intérêts sorti dans sa là pour y'a délibéré. Ou y'a le ou pas délibéré, y'a deux options. Et faire obstruction à la justice, par où y'a Ariel devant la justice, ou bien deuxième option, y'a mettez là à la disposition de la justice. Depuis y'a prendre deuxième option, automatiquement Ariel pas premier ministre encore, y'a doit choisir un ministre dans le cabinet qui pourrait premier ministre AI. Et bon, ça le doit faire tout. C'est ça, là, ça, dans le cas, là, c'est là, il y a le premier ministre dans notre pays, de ces journées-là, qui n'a pas avancé, non, c'est ça. Non, bon, nous, ouais, ça, depuis le premier mois, ou à son jeu, depuis le mois de juillet, premier côté, m'de dou, et moi, m'de dou, qu'on s'acquait à Ariel, qui question pour lui répondre. Et puis, nous, venons découvrir, dans chercher la justice, qui m'a impliqué dans tous les présidents. Et bon, Boston, bon, m'de dou, dernière question, mais ça, c'est extrêmement important. Et nous tendez dans le jour qui se passe là et les informations qui ont circulé et comme quoi et le fait que l'ancienne première dame de Martin Moïse n'est pas présenté et dans l'audition et juge d'instruction Martin Jean-Claude dans le dossier ancien bâtonnier et Montferrier d'Orval, c'est parce que tu as eu une tentative, bon, tu as eu un complot, disons, complot pour assassiner l'ancienne première dame. Nan. Et vérité, ou tu as eu des bagages, ça sonne. Bon, et moi, je dis en détail que je vais publier sur ça, et puis tu as étudiant, tu dois regarder sur www.papillon24.com, il y a plusieurs. Même bal publié et dans journée hein puis presque fini papillon24.com et 24.com donc et en garde et qui s'accorde d'instruction criminelle là dit les ilons juge a fait enquête a doué secret tout à fait. Qu'est-ce qu'il a gain information, qu'est-ce qu'il a gain information, la ca info Roberto Flanqui et Eli Clagil pour qui est Roberto Flanqui travaille pour Dimitri Vop. Qui est-ce qui est un contrôle juge d'instruction que Ariel fait nommer?
Dimitri, comment le faire contrôle tout juge d'instruction ça? Il te mette avocat, allié avocat sur Genève, ministre justice. Donc, dans ce qu'on a fait là, le montage qu'on a fait là, où est clairement que, non seulement, il y a tout le président le 7 juillet, il a fait tentative pour tout le premier dame le 7 juillet. Bon Dieu, balle la vie malgré tout balle, il a débali. Faut pas oublier que, premier dame a porté plainte contre Negio devant la justice pays d'Haïti. Le lendemain, qu'il a porté plainte là, Ariel t'est débarqué dans un nouveau cas qu'il était loin pour venir faire menace. Il mettait Ariel dehors. Le lendemain, il vient tirer sous Kaïl. Il est obligé de quitter Kaïl Sahara qu'il était fait loin dans Bordeaux-Prince là. Quand il a l'aile montée dans le nord, dans le cas qu'il allait dans le nord, Negio va tirer sous lui encore. Donc, Negio, pour Negio, premier dame n'a pas de vivant. Faut qu'il enterre. Et où est comment là, pendant ma parole avec vous là, hier, et en Équateur, comment des soldats Colombie altion candidat à la présidence en Équateur? Fernando Villa Sencio. Donc ça veut dire que où est que soldats Colombie viennent représenter une menace pour la démocratie au niveau régional? Il a fait ça à Bolivie, il a tué le président Lacaino, mais hier il a tué un candidat à la présidence. Donc première dame dans lui-même, dans tête d'oligarque avec premier ministre une équipe prend pouvoir aller au fin tuer président première dame n'a pas de vivant ouais elle au fin tuer président yo fait tentative pour tuer président le 7 juillet comment il a laissé tuer le jour et deux jours après qu'il a porté plainte devant la justice pour mon qui tuer président et comment il a laissé tirer sous Kali tout au cap c'est bon que il y ait non mais première dame n'a pas changé. Elle dit que coup d'état sanglant qui tient président. Ou bien ta ouais. Et le principal, il y a réalité, première dame. Et Stanley, moi, une question toujours à poser. Moi, acharnement, ça a rien contre Emmanuel Moïse. Je sens pas qu'elle t'attendait, on va qu'elle t'a ouais. Parce qu'après, on finit tout, il est mal. Absolument non. Question fondamentale. C'est un bon Moïse. Non, question fondamentale. Martin Moïse représente la vision de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse t'a crasé un système pesé sous ses. Faut pas oublier, les présidents coupés côté Dimitri Vop t'a volé. Dans le courant, avec politique blackout là. Yannick, c'est bon jouet que lié. C'est 300 millions de dollars américains par année que vous fait. En 13 ans, vous avez ramassé 3 milliards 900 millions de dollars américains deux fois comme Petro-Caribéa. Ou est-ce que les journalistes qui ont parlé de ça? Journaliste, vous voulez parler de coup Petro-Caribé, mais vous ne pouvez pas parler de coup de blackout. 3 milliards 900 millions en 13 ans. Deux fois comme Petro-Caribé, qui c'est 1 milliard 800 millions de dollars américains pour 394 projets que vous avez fait. Mais vous avez volé dans le gaz là. Président, coupez raquette qui vous avez volé dans le gaz là. Regardez combien vous avez volé en 24 mois dans le gaz là. Vous avez fait 90 millions de dollars américains chaque mois depuis au fin tout le président Jovenel. En 24 mois, vous avez ramassé 2 milliards 160 millions de dollars américains. Regardez combien il y a fait dans la richesse. C'est ça, dans la richesse, il fait 60 millions de dollars américains en 24 mois, il y a volé dans la poche Mali et pays, 1 milliard 440 millions. Donc, l'on prend un blackout là, on met des chiffres. Il y a volé 600 millions de dollars américains en 24 mois dans le blackout là. Les Dimitri Fintou et président, et pas seulement avocat sous-général, avocat qui met de la justice, non? Il met un ancien employé sous Genève et Wall Moros, directeur EDH. Non seulement il a volé 600 millions de dollars américains en 24 mois, près de 400 millions de dollars qui s'était volé l'État déjà, qui le président a essayé de joindre. Ils font juge Brady Fabien annuler ça. Et puis, on fait M. Kado, on l'autre cerise de 54 millions de dollars américains. Causé un peu. Blackout, non? Et ça n'est pas fini. Non, affaire gaz là. Nèg yo volé 2 milliards 160 millions. N'a fait gaz là. Nèg la vie chez 1 milliard 440 millions. Donc en 24 mois là, dans poche malheureux pays, nèg yo prend 5 milliards de dollars américains. Stanley, nous rete 3 minutes. Le mot de la fin, pour nous mettre en bout dans l'émission. Son système qui n'a pas goumé contre lui là, moi-même, toujours bay la vérité. Moi-même, yo nèg yo met 3 millions sous tête. Mais moi, m'a parlé la vérité. Baka pe mouri pou mba di bagay yo jan yo ye. Son pays qui n'a pas défendu 12 millions de moun qui n'a pas défendu qui en dedans pays y a 4 millions qui dans diaspora. C'est près de 6 millions de moun qui dans insécurité alimentaire qui n'a pas défendu là. Ça n'a pas dit là et pas ni pour Stanley ni pour Yannick, c'est pour les générations futures. Pour que ça moi même ou même vive, Infoberto vive, Busta vive la trier, tout moun kapten de yo ça a vive là pour que générations futures pas vivre. Faut que nous casser un oligarque qui touye président.
leader politique qui mettait nous là, faut que nous cassions ensemble à gang qui ont créé. Donc, on dit, son goût me fait commencer là. On goût me fait commencer là. Nous pas créer ce système ça. Koulia, et puis tapitrice. Moi, j'espère que l'auditeur qui t'attendait à apprendre nos bagages, donc nous disons, www.papillon24, nous allons mettre à détailler là. Sous comment on a besoin de tuer première dame. Et on va voir qui ça peut faire pour tuer le même. Et pas de problème, merci Stanley pour disponibilité et rendez-vous dans l'autre émission. Toujours avec plaisir. Bonjour Benou, Yannick et puis Kébel, attendez. Merci un peu. Bye bye. Nous tenons avec nous, Stanley Lucas. Nous vraiment débattons sur un pile point qui est vraiment important pour nous jeudi en là. Et c'est des points qui sont extrêmement importants en actualité. Donc, nous continuons et par le pays, nous continuons à faire débat dans le souci pour être informés. Merci à vous-même qui t'a suivi nous. Partagez la vidéo, arrêtez de connecter à la chaîne. Rendez-vous en cassé dans l'autre vidéo. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Sorti le lundi pour vivre vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la balle et nous prenons le débat.